Coucou les Vierges, aujourd'hui je vais faire donc l'horoscope pour vous, pour avril 2023, donc avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver sur mon site en téléchargement immédiat en format PDF ou JPEG. Donc voilà, nous allons commencer. Le premier paquet donc, consiste à représenter donc, ton travail. Le second paquet donc, qui est là. La maison, le quotidien. Ce troisième paquet représente les sentiments, l'amour et une carte que je tire là, qui représentera donc ta surprise, ce que t'envoie l'univers. Donc on va commencer par le paquet du travail. Donc pour le travail, nous avons la santé, les commérages et la sorcière. Donc il pourrait s'agir là éventuellement de personnes qui travaillent au niveau de la santé pour aller avec les plantes, les énergies, des choses comme ça, et il y aurait des commérages dessus. Donc les commérages, c'est-à-dire que là, nous avons votre notoriété s'étend. Donc c'est quelque chose là de positif si vous faites ce travail, ou bien même au niveau des gens qui font de la voyance, des choses comme ça. Donc vous avez quelque chose qui s'étend, qui est positif. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine, là on pourrait dire qu'au niveau du travail avec la sorcière, et les commérages, ils se racontent des choses sur vous qui ne font pas du bien, donc qui agissent sur votre santé. Hein. Donc voilà, des mauvaises choses se diraient sur vous et vous êtes presque en dépression nerveuse, quelque chose comme ça. Donc soyez prudent car ces commérages pourraient vraiment vous affecter. Voilà pour le travail. Ensuite, nous avons donc ce qui représente la maison. Le quotidien, la vie de tous les jours, nous avons le choix, le retard, là, et la réparation. Donc là, il pourrait s'agir éventuellement de réparations à faire dans la maison. Il y a des choix à faire, vous n'avez pas encore pris toutes vos décisions, et il y a du retard par rapport à ça. Vous attendez des devis, des choses comme ça, par rapport à des réparations éventuellement qu'il y aurait à faire. Vous n'avez pas toutes vous n'avez pas toutes les clés pour faire votre choix là. Voilà. Ensuite, nous avons le paquet là, des sentiments. Donc pour les sentiments, nous avons l'ange, la campagne et la tempête. Donc pour les personnes qui sont en couple, donc l'ange, la campagne, bien c'est tranquille, hein, on est tranquille, tout va bien. Et là, il y a la tempête qui vient bouleverser, chambouler un petit peu tout ça. Donc vous verrez bien de quoi ça parle, mais votre tranquillité risque d'être un petit peu mise à l'épreuve. Et pour les personnes qui sont seules, eh bien éventuellement il y a quelque chose qui peut leur tomber dessus, quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Pas spécialement de se remettre actuellement avec quelqu'un, ou vous ne cherchez pas spécialement quelqu'un, parce qu'avec l'ange et la campagne, on peut voir que là on a quelqu'un qui est assez tranquille, et il y a quelque chose qui vient bouleverser tout ça. Voilà, pour les sentiments, et... Pour la surprise, nous avons le pacte. Donc le pacte, c'est une signature ou un contrat que vous avez signé ou quelque chose que vous allez, une association, quelque chose comme ça. Voilà. N'oubliez pas de me mettre un petit like et de me mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo. Bye bye.